j'espère arriver à me détendre au fur et à mesure, c'est-à-dire arriver à ne pas m'évanouir avant la fin de mon intervention. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui, bien que ce soit une souffrance, et je vous remercie à tous d'être là et de participer à ce moment. Alors, mon propos va reposer sur une thèse de doctorat consacrée à Hegel, en cours d'achèvement, et va consister à en présenter quelques éléments, et notamment quelques éléments de conclusion. Penser l'émancipation, comme nous y invite l'intitulé du colloque, j'ai donc choisi de le faire à partir d'une tentative de relecture de Hegel. Évidemment, la pensée hegelienne s'inscrit de plein droit dans un tel thème. Il n'y a qu'à penser à son traitement des questions justement de la liberté, de l'aliénation, de la reconnaissance, à son analyse de la dialectique maître-esclave, à son analyse du travail, etc., et aux usages qu'on peut en faire aujourd'hui, et je renvoie à toutes les traditions de la philosophie sociale, d'Axel Honneth à Judith Butler, en passant par Stéphane Haber ou Frank Fischbein. Alors, ce n'est pourtant pas cette voie que j'ai choisie, mais celle qui consiste à reprendre l'étude de la question révolutionnaire chez lui. Si cette modalité peut paraître un peu trop académique de prime abord, il me semble néanmoins que les enjeux qui s'y attachent sont majeurs et je tâcherai de montrer, justement, en les exposant, l'actualité frappante des problèmes et des thèses de Hegel, en m'attachant au rapport émancipation-révolution et en montrant que le problème de la transition révolutionnaire est chez lui central. Pour autant, il ne saurait être question pour moi de reprendre dans le détail l'analyse de ce dossier, faute de temps. Notamment, je ne pourrais pas aborder les différentes phases de la réception de Hegel et en montrer, par l'analyse des ratages, des recouvrements, des détournements, parfois même des falsifications, les enjeux politiques. Je me contenterai d'indiquer ici que ces réceptions sont médiatisées de part en part dans les époques correspondantes, notamment par la situation de contre-révolution préventive de l'Allemagne du Fort Merz, par 1848, par 1917. Ce à quoi il faut ajouter, évidemment, les deux guerres mondiales. Et toute une série d'autres événements, notamment, j'y reviendrai, l'analogie 1789-1917 et les usages qui en sont faits à partir de François Furet par les liquidateurs en tout genre. Un dernier mot sur le type, si vous voulez, de lecture que je propose. J'essaye de proposer, je crois qu'on peut le qualifier ainsi, une lecture marxiste de Hegel. Lire Hegel en marxiste, ça signifie dans mon esprit au moins trois choses. Lire Hegel en marxiste, c'est-à-dire le lire selon une conception matérialiste et dialectique de l'histoire qui resitue Hegel dans les conditions matérielles de sa production théorique et des effets en retour de cette production sur cette réalité matérielle. Deuxièmement, lire Hegel en marxiste, ça signifie s'inscrire dans ce dispositif révolutionnaire théorico-pratique, qui est un dispositif tout autant diagnostique, critique que prospectif, qu'on nomme le marxisme et qui vise, pour le dire vite, l'abolition du capitalisme et l'instauration d'une société sans classe, produit de la lutte des classes et de ce point de transition nécessaire, comme l'appelle Marx, qu'est la dictature du prolétariat, comprise, pour reprendre la formule de Luxembourg, comme modalité prolétarienne d'application de la démocratie. Troisième point, en faisant de cette lecture l'instrument, au sein même du marxisme ainsi défini, d'un retour à Hegel comme modalité critique de réappropriation du cœur de ce dispositif, c'est-à-dire la dialectique, dans son essence critique et révolutionnaire. Alors, j'avais quelques éléments à ajouter, j'y reviendrai un peu plus tard, notamment sur ce qu'exigerait d'abandon et de critique des lectures marxistes, un tel retour marxiste à Hegel, à commencer par le principe méthodologique sur lequel repose la lecture de Marx, pour une part la lecture d'Engels,
sur lequel repose une bonne part de la littérature marxiste sur Hegel, le principe méthodologique énoncé par Marx dès 1842 dans sa thèse de doctorat, selon lequel il ne suffit pas de critiquer l'accommodement de Hegel à la réalité politique et sociale de son temps, il faut encore déterminer le principe de cet accommodement tel qu'il est à l'œuvre au cœur du système hegelien. Pourquoi est-ce qu'il faudrait abandonner ce principe méthodologique ? Parce que ce principe méthodologique de la lecture marxienne repose tout entier sur le présupposé politique de l'accommodement, qui n'est donc en rien interrogé, mis en interrogation, par Marx et par tous ses continuateurs. Qu'il s'agisse du marxisme qu'on qualifie d'orthodoxe ou d'hétérodoxe, la question ne se pose donc pas. Pour exemple, Korsch, qui poursuit dans cette orientation. Alors, je passe sur ces questions-là pour aborder le premier point, si vous voulez. Le premier point, c'est finalement le problème des contre-révolutions telles qu'ils se posent à Hegel. Le jeune Hegel s'est enthousiasmé pour la Révolution française. Alors, l'histoire des compères de Tübingen est connue. Hegel, son camarade Schelling, cet autre Hölderlin qui plante l'arbre de la liberté, des lectures enflammées du club politique, des lectures enflammées de Rousseau, qui s'enthousiasment beaucoup. Donc cette histoire est connue, je n'y reviendrai pas, d'autant plus qu'elle a tendance à obscurcir le jugement. La surdétermination habituelle de cette période participe, me semble-t-il, de la construction de l'opposition entre un jeune Hegel, enthousiaste et emporté par le sentiment, et un vieil Hegel, résigné et conforté en cela par le concept. Il n'y a plus qu'à introduire dans cette construction quelques catégories psychologiques et quelques broderies philosophantes, et le tour est joué. De philosophe de la Révolution, Hegel est devenu un philosophe de la Restauration. Et nous pouvons alors passer immédiatement, comme le fait habituellement la critique de Hegel, à 1806 et au chapitre « Liberté absolue et terreur de la phénoménologie de l'esprit », premier acte, dit-on, de la maturation politique de Hegel. On comprend d'autant moins d'ailleurs cette formule « philosophe de la Révolution » qu'on ne s'attache guère habituellement à déterminer précisément les critères de cette caractérisation, mais qu'on s'empresse plutôt, après avoir évoqué quelques lettres le plus souvent, d'aller voir du côté de 1806, qui est considéré comme le moment où Hegel abandonne son enthousiasme. Quand Hegel a-t-il alors été à proprement parler et en acte un philosophe de la Révolution? Voilà ce qui reste un mystère. C'est le même problème lorsqu'on parle de Hegel comme un philosophe de la Restauration. De quoi parle-t-on? Pour qu'il y ait Restauration, il faut qu'il y ait eu Révolution, et Marx soulignait bien cette singularité allemande, nous avons eu une Restauration sans Révolution. Mais alors, cela implique qu'on ne peut pas employer ce terme sans l'interroger, puisque ce serait tout simplement plaquer la situation française sur la situation allemande, caractérisée justement par Marx et par Hegel déjà avant lui, par sa non-contemporanéité. Ce qui se dégage du travail de l'historien Joseph Reval dans son Histoire de l'Allemagne. Donc ce qui se dégage de ce travail-là, par exemple, c'est que « restauration » est à entendre en Allemagne en un triple sens. Premièrement, « restauration des privilèges aristocratiques ». Deuxièmement, « restauration de la germanité ». Troisièmement, « restauration comme contre-révolution préventive dont le théoricien principal est von Haller ». Quel lecteur sérieux des principes de la philosophie du droit peut-il prétendre que ce ne sont pas là trois motifs que Hegel combat? J'y reviendrai. Le rapport de Hegel à la Révolution française, contrairement à ce qu'on en dit, est marqué par la continuité. La représentation habituelle, je l'ai évoqué, insiste sur la rupture. Dans l'ensemble, elle est la suivante. Le jeune Hegel s'est enthousiasmé pour la Révolution française, le spectacle de la terreur l'a refroidi, et à partir de la phénoménologie de l'esprit et de son fameux chapitre « Liberté absolue et terreur », Hegel s'est progressivement résigné jusqu'à abdiquer et s'accommoder de la réalité politique et sociale de son temps. Au mieux a-t-il tenté de la réformer.
Certes, il continuera jusqu'à la mort de louer les idéaux de la Révolution française, mais il rejette la pratique révolutionnaire génératrice de mort et de destruction. Cette représentation, à peu de choses près, c'est ce qu'on retrouve partout, quelle que soit la littérature en question. Une telle représentation de Hegel permet notamment d'opposer les idéaux et la pratique révolutionnaire et de faire de la terreur le ver dans la pomme révolutionnaire et de les disqualifier plus ou moins explicitement tous les deux. En quoi cette représentation est-elle fausse et, de surcroît, absurde ? Tout simplement en ce qu'elle introduit un délai entre l'enthousiasme initial et le supposé effroi provoqué par la terreur. On fait comme s'il y avait du temps qui s'était passé entre l'enthousiasme du jeune Hegel et l'effroi qu'aurait provoqué à ses yeux le spectacle de la terreur. Mais du temps, il n'y en a pas eu. L'enthousiasme est en réalité, pour une part, contemporain de la terreur, pour une autre part, celle qui concerne justement les écrits de jeunesse, habituellement qualifiés de révolutionnaires, pour une autre part, cet enthousiasme est postérieur à la terreur. Le spectacle de la terreur n'a donc en rien refroidi l'enthousiasme pour la révolution. Dira-t-on que Hegel n'a pris connaissance que sur le tard de la terreur ? C'est une possibilité. Ce serait une erreur, et il n'y a qu'à se référer à la lettre de Hegel à Schelling du 24 décembre 1794, constamment soulignée pour prouver la condamnation hegélienne de la terreur, pour réaliser qu'il avait parfaitement connaissance des événements français et qu'il lisait la presse française, pour autant qu'elle était encore disponible partout en Allemagne. Dira-t-on que Hegel n'a pris conscience des implications de la terreur qu'à partir de la phénoménologie ? Ce serait également une erreur. Cette représentation est au cœur de l'opposition du jeune et du vieil Hegel, et l'un de ses ressorts est l'utilisation de catégories psychologiques pour décrire le parcours hegélien. L'enthousiasme, l'effroi, le doute, la résignation, le désespoir, Heim parlant même, Rudolf Heim, l'auteur en 1857 de Hegel et son temps, critique farouche de Hegel, qui donne un socle de critique qui jusqu'à présent perdure, Heim parlant même d'ivresse pour qualifier les aspirations révolutionnaires du jeune Hegel. Alors il n'est évidemment pas possible d'entrer dans les détails de cette analyse de la continuité. Je me contente donc de renvoyer ici à la fin des leçons sur la philosophie de l'histoire, où Hegel qualifie la Révolution française de superbe lever de soleil et la Restauration de farce qui a duré 15 ans, où il articule disposition d'esprit et révolution, pas de révolution sans changement de disposition, où il salue la Révolution française comme ce moment où l'homme s'est mis sur la tête, c'est-à-dire sur la pensée, et qu'il édifia, ce moment où il édifia la réalité selon elle, au lieu de s'en laisser imposer. Ce qui ne manquera pas de vous rappeler la postface de la seconde édition allemande du livre 1 du Capital. Ce passage des leçons s'achève sur l'énonciation du problème, en 1830-1831, qui concentre l'attention de Hegel. Hegel nous dit la chose suivante: le gouvernement est ce particulier auquel s'oppose le grand nombre qui le destitue. L'opposition devient le grand nombre et incarne à son tour le particulier. Le grand nombre s'y oppose et le destitue. Je le cite: cette collision, ce nœud, ce problème, c'est là que se trouve l'histoire et c'est ce qu'elle a encore à résoudre. Le moment de la fixation des institutions de la liberté et des problèmes qui y sont attachés. S'agissant du rapport de Hegel à Robespierre et à la terreur, les deux textes habituellement convoqués pour appuyer la thèse de la condamnation et du ravisement hegélien sont la lettre à Schelling, que j'ai déjà évoquée de fin 1794, et le chapitre « Liberté absolue et terreur ». Or, dans la mesure où Hegel maintient ses éloges de la Révolution française, condamne la Restauration jusqu'à ses derniers textes, 1830-1831, on va tout à fait dire, oui, mais
Si vous vous appuyez sur l'édition Gantz, Gantz était un révolutionnaire. D'ailleurs, il avait fait un peu de bruit dans l'université, il s'était fait taper sur les doigts. Du coup, Hegel lui a repris ses cours. Le cours de Gantz n'est pas fiable. Il se trouve que les manuscrits de Hegel de 1830-1831 existent, et le dernier état des leçons de Hegel dit la même chose que ce que Hegel, que ce que Gantz a prononcé à la place de Hegel dans les leçons disponibles jusqu'ici en français chez Vrin, les leçons sur la philosophie de l'histoire de Hegel. Puisque il n'y a pas rupture, les deux textes habituellement convoqués pour justifier la rupture ne peuvent pas jouer le rôle qu'on leur fait tenir habituellement. Dans la lettre à Schelling, Hegel écrit: vous savez sans doute que Carrier a été guillotiné. Lisez-vous encore des journaux français? Si j'ai bonne mémoire, on m'a dit qu'ils étaient interdits en Wurtemberg. Ce procès est très important et il a dévoilé toute l'ignominie des robespierristes. Alors, ce qui est formidable avec l'évocation habituelle de cette lettre, c'est l'empressement avec lequel on conclut de cette lettre à la condamnation de la terreur. Mais moi, pressé, je ne le suis vraiment pas. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle je remarque que, premièrement, Hegel lit les journaux français et, à ce titre, suit l'actualité française. Deuxièmement, il la suit même de très près, puisque cette lettre est datée du 24 décembre et que Carrier a été guillotiné le 16 décembre. Troisième point, la presse française semble interdite en Wurtemberg, ce dont il faut se rappeler lorsqu'on pense, par exemple, au fameux texte sur la situation récente en Wurtemberg de 1798, que Hegel a préféré ne pas publier, sous le conseil notamment de ses amis. Trois questions me semblent alors devoir être posées. Bon, on ne peut pas rentrer dans les détails. Qui est Carrier ? Qui est Carrier, c'est le responsable des massacres de Vendée. Quels sont les liens avec Robespierre? Eh bien, de robespierriste zélé, c'était un thermidorien de la première heure. Et que se passe-t-il en France fin 1794? Eh bien, les thermidoriens de la première heure, anciens robespierristes, sont à leur tour éliminés. Tout ceci me semble de la plus haute importance pour l'appréciation de la formule utilisée par Hegel, l'ignominie des robespierristes. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, il est peu probable que Hegel ne faisait pas la différence entre Robespierre et Carrier. Lave-t-il pour autant Robespierre de toute responsabilité? Assurément non, puisqu'il qualifie Carrier de robespierriste. Mon hypothèse est que, dès la fin 1794, Hegel met le doigt sur le problème qui va l'occuper. Carrier, c'est en fait le nom de ce qui échappe à Robespierre. Autrement dit, Carrier est l'illustration de la dégénérescence du procès révolutionnaire. Et il me semble que si l'on veut faire preuve d'honnêteté, on ne peut rien dire de plus de cette lettre et certainement pas en dériver une quelconque condamnation de la terreur et plus généralement de la pratique révolutionnaire, sauf effectivement à prendre des raccourcis considérables du type de celui de François Furet, Dictionnaire critique de la Révolution française, article Vendée, où il écrit « Il n'y a pas de différence de nature entre la terreur qui a martyrisé la Vendée et la terreur révolutionnaire en général. » Indépendamment de ce qu'on pense des événements eux-mêmes et de cette appréciation de Furet, il se trouve que c'est justement une telle différence que Hegel s'attache à identifier. Et il condamne si peu la pratique révolutionnaire qu'il écrit au même Schelling en avril 1795, 4 mois après, dans une lettre et un esprit qui ne peuvent pas ne pas faire penser au jeune Marx, je cite: je crois qu'aucun signe des temps n'est meilleur que celui-ci, c'est que l'humanité est représentée comme si digne d'estime en elle-même. C'est une preuve que le nimbe qui entourait les têtes des oppresseurs et des dieux de la terre disparaît. Les philosophes démontrent cette dignité, les peuples apprendront à la sentir, et ils ne se contenteront pas d'exiger leurs droits abaissés dans la poussière. Ils se les approprieront, ils les reprendront. Religion et politique se sont entendus comme larrons en foire, la première a enseigné ce que voulait le despotisme, le mépris de l'espèce humaine, son incapacité à réaliser un bien quelconque, à être par elle-même quelque chose.
L'autre texte, c'est le chapitre « Liberté absolue et terreur ». Il me reste 3 minutes pour vous dire 800 millions de choses. Donc, je vous en dirai simplement 1 million. L'autre texte, c'est le texte « Liberté absolue et terreur ». Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Le chapitre « Liberté absolue et terreur », si vous voulez, c'est là aussi le chapitre sur lequel on se concentre pour prouver, justifier que Hegel, en condamnant la terreur, condamne la pratique révolutionnaire en tant que telle. Ce qui est admirable avec ce chapitre, ce qui est admirable avec la prétendue interrogation de ce chapitre, c'est qu'on le remarque, on fait semblant de ne pas remarquer deux faits qui sont pourtant extraordinaires, c'est que Hegel opère une critique de la terreur, mais une critique de la terreur qui est située historiquement. Qu'est-ce qui est en jeu dans la critique de la terreur du chapitre concerné de la phénoménologie de l'esprit ? C'est tout simplement la loi des suspects et le culte de l'être suprême. Autrement dit, c'est la phase terminale que Hegel a en tête, avec la critique qui est tout simplement évidente, la terreur n'a pas su trouver le point d'articulation lui permettant d'instituer la liberté. Et s'est transformé, par exemple, en un culte de l'être suprême, ce gaz vide, comme Hegel le qualifie. Il a si peu abandonné la terreur par le moyen de ce chapitre, que dans ses leçons sur le droit naturel et la science de l'État, qui datent de 1817-1818, Hegel écrit « D'abord, c'est le pouvoir législatif, page 217, « d'abord, c'est le pouvoir législatif qui l'emporta sur le pouvoir royal, et le roi fut jugé et exécuté par le pouvoir législatif, parlant de la Révolution française. Alors, le comité de salut public se plaça au sommet, et le point dirigeant suprême était Robespierre, et ce point d'unité individuel, auquel le pouvoir législatif était servilement soumis, exécuta des faits universellement admirés. » Voilà la position de Hegel. C'est une position d'éloge et de critique en même temps. L'éloge ressort avec la formule des faits universellement admirés. De critique, pourquoi ? Parce que justement le gouvernement de la terreur n'a pas dépassé le stade de la fixation en un point d'unité individuelle, comme il caractérise l'action de Robespierre. Je passe là-dessus, il y a tout un tas de notes sur lesquelles il faudrait revenir, les notes et fragments de 1803-1806 qui sont extraordinaires, mais il y a surtout un texte. Ce texte, c'est la philosophie de l'esprit de 1805, rédigée en parallèle de la phase de rédaction de la phénoménologie de l'esprit. Si vous vous référez à ce texte, attention dans l'édition des PUF, hein, pas dans l'édition Payot. L'édition Payot est falsifiée. Les références à Robespierre ont tout simplement été gommées sans aucune justification de nature scientifique ou autre. L'édition PUF, par Planty Bonjour, on retrouve la référence à Robespierre. Que nous dit Hegel à propos de Robespierre ? L'action de Robespierre était, vous trouverez ça dans les pages 89 et 90, l'action de Robespierre était une action nécessaire, nécessaire et juste. Pourquoi ? Parce qu'il fallait fonder un État. Le problème de Robespierre, ce n'est pas l'instauration d'un gouvernement révolutionnaire de transition, avec tout ce que ça implique. C'est une formule de la Constitution de l'Allemagne, article de 1802, où Hegel dit on ne guérit pas la gangrène avec de l'eau de lavande. Donc effectivement, dans une situation post-révolutionnaire, le gouvernement provisoire révolutionnaire s'impose, un gouvernement sous la forme de la terreur s'impose aux yeux de Hegel, il est nécessaire et juste. Le problème de Robespierre, c'est que cette nécessité l'avait abandonné. Alors, je vais devoir conclure, je conclurai sur un peu plus. La préface de la phénoménologie de l'esprit, les paragraphes 11, 12, 13, vous retrouverez dans les paragraphes 11, 12, 13 toute l'analyse que Hegel fait de la situation post-révolutionnaire et de la fragilité extrême qui la caractérise.
fragilité qui se comprend notamment sous une double forme, la dégénérescence possible du procès révolutionnaire et les contre-révolutions qui nécessairement viennent au jour. Le fait que ce problème de Hegel, de la dégénérescence, la fragilité de la transition révolutionnaire, le problème des contre-révolutions soit un problème central poursuit Hegel jusqu'au texte dont je voulais parler, je n'aurai pas le temps, j'y reviendrai certainement après, jusqu'au texte qui a fait la mauvaise réputation de Hegel, les principes de la philosophie du droit, qui, de part en part, sont un texte écrit au point de vue de la défense des acquis de la Révolution française et des acquis des réformes successives opérées par Frédéric II, et en même temps, une lutte contre la possibilité de la dégénérescence et la possibilité des contre-révolutions, contre-révolutions qui sont à l'œuvre de façon préventive en Allemagne. Merci.